Alors évidemment. Bonjour à tous. Bonjour à tous, bonjour à bienvenue tous. Il est 4h du matin. Il a raison. Je suis Radio FM, allez, sur Skyrock. Allez, allez, à tous les coups on gagne, c'est ouais. Maurice sur Skyrock. À qui va là, je te prie. Allez, la Z4. Abonne-toi. Qui se rappelle de... Relax. Qui se rappelle de Maurice sur Skyrock, personne? Bah c'était peut-être sur Skyrock belge, je vais l'aider. Non, non, Skyrock en France, Maurice, attends. Qui va là, je te prie. Non, ça ne veut dire rien. Eh bah c'était en 93 sur les ondes de Skyrock la nuit. Et bah c'est tout à fait normal vu que je n'étais comme le poisson pané. Pané. C'est ma date de naissance, c'est mon année de naissance. Ah, moi je te dis ça, j'avais 2 ans comme si j'écoutais la radio. Moi j'avais. Oublie ça. Attends. Quoi. C'est moi au fond de la M3 et démentiel. La M3 GT2, le son fond de Seeker il est démentiel. Hein. Ah bah j'étais là à fond de Seeker, franchement, c'est le mec il a géré. Et le son de la 458 est juste jouissif quoi, ça c'était une vraie voiture. Ouais parce que pour être allé au WEC cette année à Spa, hein, les moteurs turbo non merci. Hein. Il y en avait une Atmo qui passait, on la reconnaissait, hein. C'est la seule qui faisait trembler la tribune. Hein. Quoique, les seuls qui faisaient encore trembler cette année les tribunes, c'était les Porsche et les Aston. Les Aston, les Porsche. Dommage qu'il n'y avait plus la Corvette de chez l'arbre. Ah s'il y avait cette Corvette, oh là là. Terrible. Si tu le regardes. Je vais voir si j'ai encore le souci du vibreur à l'extérieur du virage. Ah oui, 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 il y a que le camion. Il passe à travers. Je crois que ça le fait toujours en plus. Mais oui, ça le fait toujours. Hein. Je pense que je vais finir avec un pneu carré à l'avant droit. Je peux pas baisser ma répartition de frein, c'est con, j'avais pourtant modifié le bouton. Comme Ray Conan en 2005. C'est l'hardcore moi que j'aimerais bien avoir en photo avant là. T'inquiète, I think tu la verras. Flashback ouais, Remember en 2005. Quand Ray Conan explose sa suspension dans le dernier tour au circuit de Nürburgring. Ah sinon il le fait au premier tour à Barcelone. Il vient de faire enculer, j'ai pleuré. Allez on va lancer un tour chrono, il reste 7 minutes 30. Hashtag Thomas. Le mec il a eu des chaussures gratuites quoi, c'est le mec Et deux casquettes, c'est même pas sa taille. On n'est pas chaussé à merde. Il y a des chaussures quoi. Allez, go. Alors on va faire un premier tour pas rapide mais propre. Mais il est oh, il est beau. Mais putain. J'ai dit pile. Ah oui, comment ça va du monde, tu peux peut-être faire un chrono Emric. Ça va, tu fais un chrono, t'es déjà 10ème. Ah bon? Ah oui, tout le reste, y'a pas un chrono de rentrée. Ah bon? Est-ce que je peux te rentrer un chrono? S'il te plaît, j'ai payé mon ticket. 60 balles, c'est cher. Patron! Je peux avoir un ticket! Allez. Merkel et son chien allemand également. Alors, si vous n'avez pas vous mettrez bien dans la discussion. Je vous mettrez bien, non. Ah non, j'ai déjà une vidéo qui m'a tué, c'est bon. J'ai dû aller dans le dark web pour mettre toutes les descriptions nécessaires tantôt, c'est bon. Le dark web. La Z4 devant, si elle est à l'un d'entre vous, dégagez, je suis dans le secteur 2 dans la remontée. Ah non, mais une Z4, t'es fou. Oh, toi tu vas prendre. Ah, il s'est écarté, donc c'est que c'est Guigui. Et ce soir. Mais... Oh là là, messieurs. Emeric, tu sais, c'est le directeur de course, messieurs, alors non, nous avons un problème. Putain, mais tout le monde s'écarte, est-ce qu'on serait tombé dans un super lobby à droite. Donc je me dis bien, il me laisse passer. Et ben puis, bim. Voilà. Voilà, je suis au ralenti complet en 3ème à 110. Te fous un coup de volant quand tu passes, mais si tu énervais mon petit... Mon petit. Prends un dringé. Ouais, voilà. Fufu. Dringé Fuka. On est... Bien à l'attaque. En sous-virage. Yes. Ouais, j'avoue que je souvire beaucoup avec la voiture. Pour le coup, avec la BM. Moi j'ai les deux en même temps, c'est incompréhensible. Il reste 3 minutes 40 dans cette qualif. Et on n'améliore pas. On n'a plus de carburant. Il reste 1 litre. Donc autant vous dire que, bah, dommage. Allez, c'est parti. Oh, les pneus vont chauffer très fort avec les super soft. Avec les soft. Ferrari fuel. Comment on écrit dans le chat en bas? Ctrl F4. Non, fais pas ça. Fais pas ça. C'est pas un bolo quand même.
Alt F4. Non, c'est pas le T de chat. Windows L. Bah moi j'ai le Python chat, donc juste à cliquer et ça marche. Voyez. Quoi? Et ouais, mon pote. Ah, allô. Et ouais, moi j'ai installé des apps, alors. Et ouais, j'ai aussi. Ah mais moi aussi j'ai fait ça, j'ai cliqué dessus. Là, je suis P3 qui s'est planté. Guigui, t'es P2? Oui. Non, c'est okay. Je suis P3. Non, je suis P3. Non, je suis P2. Allez. Ah, mais bon. Moi aussi, je suis P2. Bon, bah, bonne chance. Ma plugin, je suis P3. Ouais. Bon départ. Départ en deuxième, comme les faibles. Allez. J'ai très peur, je vais me faire brûler le cul. Putain, et putain, non mais... Oh non, ça a été sage. Attends, on n'est pas sorti. Hein. Ah bah voilà, j'ai rien dit. Ouais, c'est bon, ça va. Voilà. Guigui, oh, la non, trajectoire, non, c'est non, toi non. Et Schmitt. Et Schmitt. Je te bloque la porte comme un enfoiré, toi que t'as BM. Hein. Non. Oh, il me fait peur. En plus, je sais que c'est lui, donc je peux l'engueuler. Et il freine genre à 80 mètres. Parce qu'il sait qu'il est meilleur sur les freins que moi. Va pas là, hein. Si t'avais plongé là, j'aurais... Mais alors, il y aurait, c'est plus des bips qu'il aurait fallu. C'est un arrêt de... un arrêt de justice, quoi. Non. Le vibreur de... Salut, Maxou. T'es en médium? Ah bah non. Ah non, j'ai oublié. Ah bah moi je suis en médium, c'est... En même temps, il y avait 4 secondes pour préparer la course, ils sont marrants les gens. Les mecs, j'ai une petite idée, si on faisait un petit serveur où les mecs peuvent pas changer les gommes entre la fin de la qualif et la course. Pour un reste. Hein. Bon après, si je suis en soft pour 8 tours, bah bye bye quoi. Ce sera la course à l'élimination. Par contre, il le downshift, on en parle ou pas? Parce que c'est 3 fois pire qu'en qualif là. Hein. Moi, ça, à ce vibreur-là, à votre droite, les gars. C'est à ce truc-là que je rentre dans le vibreur et que ça me... Enfin, il y a du vide, en fait. Je comprends pas pourquoi. Ah, tu l'as... La dernière fois, c'était avec le camion qu'on avait vu ça, toi. Ah, avec le camion, c'est encore pire. Ah, tu mets une douille avec la BM, là, en ligne droite. On est P5. On était parti P3, donc ça va. Et bien, c'est que moi, je peux bloquer les freins. Je m'en bats les... Ah oui, t'as l'ABS, toi, non? Non, mais j'ai les pneus médium pour tout. Oh là, la Z4 devant, c'est très compliqué. Mais je pense que moi, ça va, je les gère bien les pneus. J'ai peut-être fait un plat au premier freinage parce que j'ai freiné un peu tard. Ah, il est large derrière, c'est bien. Ah, parfait. Casser les... depuis tout à l'heure. Oui. Ah, mais est-ce que cette Z4 va freiner au bon freinage? Non, allez, salut. A plus, tension, drapeau jaune, c'est fin de secteur 1. Ouais, il y a une Z4 dans le mur. Ah bah, hey, c'est parfait. Il y a toi, moi, Andy. Parce que c'est pas l'adjectif que j'aurais choisi, perso, parfait, mais bon. Ah, ça aurait été parfait si j'avais été devant, mais là c'est... Ça aurait été parfait si j'avais pas bouffé ce satané vibreur, comme je viens de le prendre parfaitement maintenant. Oh, oh là 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 là, il me sur virage. En fait, j'ai vu un message concernant en haut, j'ai dit, c'est quoi cette connerie? Je viens de broyer le moulin alors que j'ai le downshift. Je viens de foutre le moulin dans le rouge. J'ai. Oh, l'inspecteur. Le jet. Ouh là là, il y a des Goliots en fin de peloton. Ah bah. Je vais me taire. Mais j'en fais partie, là, les PR. Non, mais je vais m'énerver encore sur le classement et le transpondeur dans ce jeu de merde parce que je sais pas si le gars devant moi il est vraiment devant oui. Moi aussi c'est un retardataire. Allez, les pneus carrés c'est vendu, c'est nouveau chez Pirelli. Hein. Je vous l'ai fait à 50%. Oh, c'est nouveau, pas tant que ça. Avant c'était les prix ronds, maintenant c'est les prix carrés. En bas, tu vois pas dans le chat? Mais j'ai pas le chat, mais ceux qui sont dans le chat, ils sont tellement nuls. Qu'est-ce qu'ils s'en à parler d'e-racing? S'ils étaient si bons que ça, ils y seraient dans e-racing alors qu'ils allaient se faire. Les mecs sont dans le chat sur Assetto, ils sont au bout de 2 tours, ils sont dehors, genre ouais, c'est dégueulasse, vous savez pas rouler. Bah, c'était si bon sur e-racing, va y rouler, il faut nous la peau.
Bon, Jean-Michel, pas de bol, là. Y a moyen de s'arranger ou... Alors, vous pourrez reconnaître dans cette vidéo la salière totalement ouverte de Maxio Pilote. Oh, mais attends, non, mais... Ah, oui. Ah, la salière en merde. Ah, mais il a fait un truc dégueulasse. Il m'a foutu dehors, le... C'est toi, Émeric Lajaune ? Ouais. Ok. Fais gaffe, parce que c'est le dernier des... Ah, mais moi, je le bois. Émeric ! Oh, putain, le sous-fifre, quoi. Ah, je vais aller lui défoncer sa gueule. Le troisième, c'est Bru. Est-ce qu'on peut avoir son pseudo quelque part ? Bru. Ah bah, eh, pas besoin de le faire, regarde ce qu'il fait. Mais non, mais ce qui me saoule, c'est que c'est pour faire ça 3 mètres après. Moi, j'ai rien demandé, quoi. Et regarde sur qui il va revenir. Regarde. Il a failli te couper en deux. Hein. Ah, c'est ma diététicienne qui aurait été contente. Depuis le temps qu'elle attend ça. Mes pneus sont gelés. Ah, ils sont bleus. Alors je suis au courant que je suis au rupteur dans chaque rapport, hein, les enfants. Si vous me dites ça dans les commentaires, ah, je suis au courant. Chiffre, c'est moi qui ai le meilleur tour. Bah le downshift, c'est pas plus mal. Allez, on va aller chercher Emeric qui est devant. Ne sont pas... Ah, t'es en soft, donc à la fin je peux jouer sur le pneu. En plus, j'ai pas du tout cramé mon train avant à me bagarrer avec toi, ça va être bien. À gauche. Ouais, je t'ai vu. De vibreur fou. Wow, oh, c'est chaud. T'as une meilleure relance. Ah, je suis un tricheur, je suis en GT2. Putain. Ah non, mais toi t'as la 458 GT2. Oui. Ah, ça va, on est ça va. Bande de cheater. Oh non, c'est moi qui suis mauvais. Non, mais je veux dire, c'est pas genre je cheat. Cheat orange ou cheat citron? Oh, le sous-virage de mort. Ça m'a fait rire une fois, il y a un abonné, il m'a dit... Ah, le survirage aussi, là. Ouais. En même temps, hein, les deux, hein, comme disent les grands pilotes. Les très grands. Ouais. Ah, il fait un bon mètre 90, maintenant. Oh, 90. 90. Ouais, excusez-moi. Et quand il est tard, je suis fatigué et concentré, j'ai mon belge qui ressort. Bon, ça fait mon aussi belge partie qui de ressort. Sort. On va aller se faire une tartine. Pourquoi une ? Plusieurs tartines. Ah bah de toute façon c'est par deux les tartines, hein, on le sait, hein. Pourquoi ? Parce qu'une pinte, c'est deux tartines. Allez. C'est ce qu'on dit, quand t'as faim, tu bois une pinte, c'est comme si t'avais deux tartines, hein. Cornichon tranché ou cornichon... Je sais pas, en tout cas ce que je peux te dire c'est que j'en ai bouffé des tranches. Moi c'est pas des tronches. Des tronches. Oui, parce qu'en Belgique... En fait, en France, vous avez la baguette que nous on appelle, vous appelez un pain souvent, et nous en Belgique, non, bah... d'accord, ah bon, ça va comme ça. On parle là-dessus. Et en fait, en Belgique, nous, quand on demande un pain, c'est une miche de pain en fait. Et c'est des fois en France, je fais bonjour, oh, une baguette. Bagarre derrière. Mais alors en Belgique, un pain des fois, au chocolat. Vous avez oui. Une double miche, madame. Chocolatine. Pas de chocolatine. Mourez. Restez dans votre paranoïa. Ah, c'est dans le sud de la France. Dans le sud-ouest, ouais. Oui. Chocolatine. D'ailleurs, dans les commentaires, hein, on va pouvoir ouvrir un Astropole. Chocolat. Pas au chocolat ou chocolatine. N'hésitez pas à aller voir le lien dans la description. Mais en Belgique, c'est pas simple. Nous on dit un cook au chocolat. Puis c'est bon. Nous on dit une baguette. Excusez-moi, au risque de paraître pessimiste pour Emeric, je n'ai aucune alerte au niveau de mes pneumatiques dans ce cinquième tour et pourtant je pense que je suis en soft et pas en super soft. Ah vache, putain, moi je suis en médium et je souffre. Bah honnêtement, je sais pas. En fait, ils sont bleus, c'est surtout pour ça, c'est le niveau de température que je souffre. Je sais pas, j'ai pas programmé pour regarder le motec, je saurais même pas dire la température. Bah en gros, j'ai juste le pneu avant droite qui est un petit peu bleu, mais sinon les autres sont verts. Ah, moi c'est l'avant gauche, c'est très jaune, très rouge. Mais vous avez le HUD adapté, moi je l'ai pas installé. Tout à fait. Non, mais c'est pas un truc installé, c'est juste à... Enfin oui, je l'ai pas installé, je l'ai pas activé, pardon. Mais tout à fait. Et la troisième marche du podium à la lutte entre la bavaroise et la petite italienne jaune. Maquet. Ya. Ah, notre ami chinois est revenu de la session de tout à l'heure. Ah là, Ah, Max fait troisième. Ouais, c'est pas grave. Très loin derrière. Ah oui, non mais ça on savait.
Ah, allez, dans la ligne droite. Et j'ai raccourci la boîte, hein, je suis un salaud. Là, en top speed avant les freins, je suis à 258. Massimo, si je la gagne, elle est pour toi. Si je la gagne, le mec est P4. T'sais. 258, putain, mais c'est... C'est pas mal. C'est exactement ce que j'ai sur ma balance, lol. Ouais. Mais par contre, il y a un devant, c'est dommage. Ah, tu vois, c'est bleu. Après la ligne droite, c'est horrible. Non, là, j'ai sur moi des... Je suis à 251 en Vmax. Et j'ai encore raccourci, hein. Mais bon, on est en GT2, donc c'est pas exceptionnel non plus. Ah, j'adore quand ça glisse comme ça. Ouais, moi je suis en GT3 pour le coup. Oh, je suis nulle part avec les gommes là. Tu le sens? Ouais, le vois sous, ouais. Voilà, voilà. Ah, ouais, non, là le train avant il m'a dit bye bye. Ah, putain, moi j'ai mon train avant qui est en train de se refroidir. Sa mère, l'hypopète. Je sais même plus où je freine en plein milieu de la piste. C'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Quoi. C'est, ouais. À qui mieux mieux. À qui mieux mieux. Je suis à 267 au bout de la ligne droite. Ah, ce qui explique donc la douille hein, que tu es en train de nous mettre. Ça va, j'ai 13 secondes sur le leader, c'est pas comme t'as ça. T'es à 250 en ligne droite. Ouais. Je suis en train de faire une course de No Man's Land. Ah, j'ai la Z4. Hein. Un petit peu pour ceux qui ont la référence, comme Ricardo au dernier Grand Prix. Putain. Il était à une minute devant, une minute derrière. Il s'est ennuyé. T'avoue, je suis concentré parce que je sais qu'il y en a un qui a ses pneus qui sont à la malle. Arrête! Ce secteur-là, il est atroce. Hein. Ouais, je le vois. À chaque fois, c'est là où je reviens. Secteur plus rapide, j'ai le moteur qui me sauve. Déventé. C'est le mec. Le mec, il est 30 mètres derrière. Déventé. Heureusement qu'on est à deux. Sinon, ce serait la course. Il n'y a personne, quoi. J'avoue. On rappelle la course qu'on avait fait c'était sur Rescue, donc c'était sur Red Bull Ring, comme la course d'avant. Yep. On avait fait 20 tours, on s'était emmerdé. C'était pas sur le Nord avec les Fiat? Oui, ça c'était en live ça. En live, ouais. Ah, oh, il est bien ressorti. C'était bien emmerdé là aussi. Ça va à la porte. Putain, j'ai la banane, c'est con que je me filme pas. Quoi. Allez. Oh salopard! Là t'as la boîte plus courte! Ouais mais. Ah, le drapeau blanc, le drapeau jaune devant. Oh il est tardif celui-là! Il est tardif! Oh! La balance. Eh, heureusement que j'ai changé mes freins avant parce que. Putain, j'essaie à l'extérieur quoi. Là, ça va, je sais que ce secteur ici t'as un peu en difficulté. Mais en fait, non, je bluffais. C'est de En fait, je sais voler. Oh, la description. Oh, putain. Alors, il manquait un tour de plus. Vous êtes déjà sur la ligne? Pour lui, mais pas pour nous. Moi, je suis à la lutte avec la merguez.
Alors, Emery, comment? J'ai fait la même. Ah. Ouais, il protège, s'il pouvait mettre deux roues dans l'herbe, il le ferait, quoi. Ah. Je crois que t'as bloqué. Ah, j'ai très peur du mec en face, là. J'ai très très peur. Je sais pas ce qu'il va nous faire, mais... Ah, bien joué. Ah, elle est belle. Ah, elle était belle, elle était belle. Eh, hey, j'ai les bats de transpis, ça truc. Ah, ils sointent comme la Garonne, quoi. Bah, les pneus, hein, ça a joué quand même. Ah, bah, moi j'ai fini avec l'avant gauche, quand même avec un plat orange, hein, ce qui est quand même pas mal. Non, mais non, mais non. Ah, la rage. Putain, le dernier rage. Massimo, elle est pour toi, je suis troisième. Elle est pour toi, Massimo. Oui, Massimo, c'est le mec de chez Ferrari, moi. Ouais. Chez F-Corse. Ouais. Ah, Emery 4ème. Eh oui, oui, oui. Ah, il m'a eu dans le dernier tour. Belle bagarre à la fin, Stephen. Ah, joli freinage. Oh, tiens. Et le meilleur tour. Ah, voilà. Ah bah. P9 grâce à ce magnifique bug que j'ai sur ce circuit. C'est qui? C'est Guigui, je parie. Non, je l'ai su dans les stands. Putain, fais chier. Ah, tu vois, moi, avec... évidemment, vous pouvez envoyer vos kilos de sel à Andy, hein, sur la chaîne Le Quoi Simulation, il vous enverra son adresse. Hashtag la baleine. Mais si envoyez un mur de la baleine, c'est pour le sel, hein. Dans la prochaine vidéo, hashtag la baleine. Bon, allez, merci à tous, c'était une belle course, j'espère que ça vous aura plu. Ouais, c'était fun. Et bah voilà, on essaiera de faire un peu de montage pour vous montrer ça en vue TV aussi pour les bagarres, ça risque d'être fun. Et bien, à la prochaine. Salut. À plus. Bisous. Gros poutou. Je vous aime.